Yo les gars, vous allez bien encore? Bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo et bienvenue à la belle ville de Rhodes. Enfin, pas si belle que ça puisque vous allez voir. Je remercie d'ailleurs les abonnés qui m'ont prévenu il y a maintenant de cela un petit bout de temps. On a en fait l'armurier, si je dis pas de bêtises, il me semble bien, ou le mec du magasin, je sais plus, mais je crois que c'est l'armurier. On va aller checker vite fait. Et s'il me semble bien, c'est juste cela en fait. On a le mec de l'armurier en fait. Regardez, il a un fucking gamin qui est enfermé sous son magasin, les potes. Attendez, il faut quand même qu'on immortalise. On va immortaliser ce moment, si on peut vraiment immortaliser ça. Non, mais vraiment tout jeune en plus. Attendez. Merde! Ok, donc on a pris des petites photos qu'on voulait. On est parti, on se met en vue FPS. Ne restez pas planté là, personne ne veut m'aider. C'est quoi ce délire? Questionnez. Bon sang, pourquoi vous êtes habillé comme ça? Non, 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 s'il vous plaît, vous devez m'aider. C'est cet armurier cinglé qui m'a habillé comme ça. Il m'a enchaîné et m'a à ce foutu lit. Vous devez faire quelque chose, pitié. Il ne me laissera jamais partir. Comment je vais faire pour aider le gamin, moi? Oh, c'est putain de glauque. I'm telling you the truth. He's got me chained up. Et on voit que le gosse est enchaîné, enfin, c'est un truc de ouf. Donc, on est parti. Je pense qu'en fait, il faut aller braquer l'armurier. Enfin, voilà, j'imagine. Donc, on va sortir de gun. De gueule vaut mieux qu'un. Dévaliser le sous-sol, voilà. J'ai rien à cacher, vous savez. Ouais, mon cul, t'as rien à cacher, ouais. Mon garçon dort en bas. Il ne faudrait pas le réveiller. What the fuck? Donc c'est bon, on sait maintenant comment aider ce pauvre gamin. En fait, c'est son esclave sexuel, quoi. Why are you wearing that sailor suit? No, that costume de marin. He thinks I'm his kid's son. Kidnapped me, he did. Do I look like a kid? Always in such a. Merde, ah, il y a une arme en fait là aussi. Oh, c'est une carabine Lancaster, j'en ai déjà une. Bon, c'est pas grave. Just leave us in peace. Just what the hell is going on here? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais tu m'étonnes. Ce vilain petit garçon a encore volé des bonbons dans la boutique. C'est pour son bien. Je suis pas ton petit garçon, putain de taré. Faut que je fasse quoi? Attends, il faut que je ligote lui, je peux pas le laisser comme ça, c'est pas possible, ouais. Puis je vais le tuer avant de partir, je crois. Est-ce que je vais peut-être l'emmener au shérif? Je sais pas, enfin voilà. Je pense qu'en fait, voilà, le mec, c'était son. Ce petit a besoin d'une punition. Ouais, c'est ça, ouais. On va le fouiller, tiens, d'ailleurs, l'armurier. Enfin, c'est assez ouf qu'il y ait des choses comme ça dans le jeu parce qu'honnêtement, c'est extrêmement bien fait. Et attendez, pendant qu'on y est aussi. Ah merde, j'ai pas ma lampe. Attends, il y a un document que j'aurais pu ramasser, c'est quoi? Il y a un coffre à fouiller, il y a plein de choses donc on va prendre le temps de looter, des potes. Porte-monnaie. Ne touchez pas à mon fils, mais c'est. Vous ne perdrez rien à me libérer. Ah ok, d'accord, le mec il attend vraiment que je le libère, quoi. Enfin le gosse, et bon. Libérer l'armurier. Bon attends, avant ça je vais quand même prendre le temps de looter un peu tout et de regarder tout. Donc là ouais, regarde, ils ont fait, il a fait une chambre de petit gamin alors que le mec, il, enfin que le gosse est plutôt vieux. Est-ce qu'il faut que je tire sur la chaîne pour que le gamin il s'en aille?
Voilà. Ah, elle l'a enlevé, il l'a fait passer pour son fils. Ah ouais. Vas-y, barre-toi, garçon, barre-toi. Hein. C'était parfait, vous avez tout gâché. Oh l'enculé, il est bon, c'est bon, le gosse s'est barré, au moins, du moins, lui, il reste sa liberté. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce gros tas de merde? Alors. Ah là, on voit qu'il y a des photos et tout, là. Est-ce que je pourrais pas l'emmener au shérif ou quoi? Il n'y a rien du tout, hein, Walou. J'ai que le choix de le tuer ou pas. Ouais, je pense que tiens, Gane. Je pense que je vais mettre un couteau de lancer dans la tête. Et on va plus en parler, tiens. Ah, hop, ancien Tomahawk. Elle est mûre, enculée. Hop, c'est bon, on a récupéré notre arme. En même temps, ce genre de mec mérite que ça, hein. Donc c'est bon, ben voilà, on a libéré le gosse, et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous rendre à Rod, les potes, pour vous aussi le faire. Là, on a une toute petite photo, enfin, c'est assez glauque comme endroit. Est-ce que vous pensez qu'il y a un ou plusieurs gosses qui est passé par là? Parce que je pense que le mec, ça devait être son délire, en fait. Là, regardez, il y a des paires de chaussures, il y a plusieurs paires de chaussures d'accrochés, il y a marqué Eldar, et des jours de détention, comme à l'autre maison au puits qu'on avait vu. Pareil, même délire. Ouais, des cas de photos, enfin voilà, des livres, des casseroles où il y avait à manger. Ouais, voilà, je pense que soit le mec il prenait pour son fils, ou soit il faisait des trucs pas clairs avec le môme, quoi. Enfin bref, vous m'avez compris. Ouais, donc c'est tout pour moi, hein, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à aller le faire, c'est vraiment un truc qui est cool en fait, ce genre de petite quête, c'est vraiment très intéressant. Et donc on verra si il y a d'autres commerces justement qui pratiquent ce genre de truc. Utiliser passe-partout pour la caisse. Ah, en plus on peut piller la caisse, ah ouais, donc ça donne une opportunité de faire la caisse sans trop être embêté. On a quand même gagné un peu de dollars, donc 21, c'est pas ouf non plus, mais bon c'est toujours ça de prix au moins. Donc là, après, par là, c'est qu'une sortie. C'est par où est-ce que le gosse est sorti. Et le truc que j'ai hâte de voir, c'est est-ce qu'on va recroiser le gamin plus tard. Ça pourrait être aussi une chose assez intéressante à savoir. Et on va faire voler, balle pour fusil, petit gibier. Ah ouais. Ah merde, par contre, là, voilà. Bon, par contre, là, on a directement les condés qui arrivent. Ah, parce qu'il y a un mec qui a vu. Ok. Ouh, bon, on va se barrer, hein, écoutez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça va plus, on va essayer de se cacher dans le sous-sol. Est-ce qu'on peut réaccéder? Ouais, on peut y accéder, c'est bon, on va se cacher là avec le gros. Donc c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas les potes à me donner vos avis dans l'espace commentaire, bien évidemment, et à me dire ce que vous en pensez de ce qui s'est passé ici, parce que je pense qu'il s'est passé des choses pas très catholiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est tout pour moi, c'était Vince, prenez soin de vous, allez, peace les gens.